Salut, c'est Mario. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la première raison pour laquelle les gens n'achètent pas un vendeur. Je veux juste vous parler de conclure une vente. Et l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes n'y parviennent pas, la raison pour laquelle beaucoup de gens ne passent pas vraiment à un niveau supérieur, c'est parce qu'ils manquent des ventes pour une seule raison commune. Et quelle est cette raison numéro un? Commentez ci-dessous et dites-moi ce que vous pensez pendant qu'on parle. Je veux juste que vous réfléchissiez un instant. Est-ce que ça pourrait être votre connaissance de produit? Peut-être que vous ne croyez pas assez en vous-même. Peut-être que vous ne savez pas comment créer la valeur de votre produit. Alors pourquoi ils n'achètent pas de vous? C'est peut-être aussi parce que vous ne savez pas comment conclure une vente ou bien répondre aux objections de vos clients. Quelles sont les choses auxquelles vous pensez en ce moment? J'ai dit la raison numéro un, OK? Il y a une tonne de raisons pour lesquelles quelqu'un n'achèterait pas, mais quelle est la raison qui les surpasse vraiment toutes? C'est très facile. Les gens ne vous aiment pas, point la ligne, c'est tout. L'une des meilleures compétences que vous puissiez acquérir dans la vente, c'est de vous assurer que vous établissiez vraiment un lien commun, une familiarité avec chacune des personnes que vous rencontrez. Vous ne connaissez pas quelqu'un en 30 secondes. Pouvez-vous vraiment donner à cette personne l'impression qu'elle vous connaît depuis toujours? Vous êtes à 2 minutes ou 3 minutes de la conversation, vous avez une discussion avec le client. Il parle parce que vous avez fait un bon travail à l'amener à parler de lui. Il se sent à l'aise avec vous et vous avez réussi à créer un terrain d'entente avec lui ou elle. Les gens achètent aux personnes qui leur rappellent leurs amis, c'est aussi simple que ça. Et croyez-moi, si la personne avait dans son cercle d'amis quelqu'un qui vend ce que vous vendez, eh bien, elle ne se trouverait pas juste devant vous. Laissez-moi aussi vous donner une simple démarche et je veux que vous vous en souveniez pour le reste de votre vie. Il s'agit d'un processus en 4 étapes pour s'assurer que chaque client achète de vous. Numéro 1, il doit vous aimer. Et si vous n'êtes pas une personne sympathique, vous feriez mieux d'apprendre à faire en sorte que les gens vous aiment. Je ne suis pas un lèche-botte, mais je vais vous dire ceci. Je cherche toujours les gens au plus haut niveau de mes capacités. Je leur donne un service client de classe mondiale. Je suis amusant à côtoyer, je suis drôle et je ne suis pas trop sérieux. J'aime toujours passer un bon moment et je ne peux pas imaginer que quelqu'un ne veuille pas être avec quelqu'un comme ça. Donc, ces choses que je viens de vous dire, écrivez-les et améliorez-vous à ces niveaux. Au fait, si les gens en face de vous ne vous aiment pas, ils ne vous écouteront pas. S'ils ne vous écoutent pas, ils ne vous croiront pas. S'ils ne vous croient pas, ils n'achèteront pas de vous. Je le répète une autre fois. Si les gens en face de vous ne vous aiment pas, ils ne vous écouteront pas. S'ils ne vous écoutent pas, ils ne vous croiront pas. Et s'ils ne vous croient pas, ils n'achèteront pas de vous. J'ai suivi, je suis encore aujourd'hui, ce processus en 4 étapes. Il m'a aidé à conclure et à vendre à de nombreux clients. Et si vous enlevez une des composantes, le client ne se rendra jamais à l'achat avec vous. Si quelqu'un vous aime bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous croire. Et si je vous aime bien et que tout ce que vous me dites a du sens, je vais vous croire. C'est l'une des grandes choses qu'on veut accomplir. Pour que quelqu'un nous croie, il faut d'abord qu'il nous écoute. Je suis certain que ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un que vous n'aimiez pas. Et je suis aussi à peu près certain que lorsqu'il vous parlait, vous ne l'écoutiez même pas. Nous devons nous concentrer sur la compétence numéro 1, qui est juste ici, c'est aimer. Ce mot-là est tout simple, mais je veux que vous me fassiez une faveur pour les 5 prochains clients que vous allez rencontrer. Concentrez-vous sur une chose qu'ils vous aiment. Je veux simplement qu'ils vous apprécient pour qui vous êtes. Et qu'ils vous aiment, là, vraiment, là, qu'ils veulent vous adopter, vous amener chez eux. Si vous pouvez faire ça, je vais vous montrer ce qui va se passer ensuite. Ils écouteront parce que vous avez fait votre travail sur la chose numéro 1 que la plupart des vendeurs ne font pas et la raison numéro 1 pour laquelle la plupart des gens n'achètent pas, aimer. Alors, une fois qu'ils auront écouté, qu'ils vous croiront et une fois qu'ils vous auront cru, ils achèteront de vous. C'est une vidéo très courte et facile, rapide. Je pense simplement que beaucoup de gens ratent des affaires en ce moment. Vous montrez des produits aux gens, vous savez que le marché est vraiment super. Vous attendez juste qu'ils achètent. Je vois beaucoup de vendeurs qui ne passent pas assez de temps pour s'assurer que les gens les apprécient vraiment. Je veux que vous améliorez dans ce domaine. Et si vous le faites, je suis certain que vous doublerez ou même triplerez vos revenus. C'est la première raison pour laquelle les gens n'achètent pas. J'ai un bonus que je peux vous envoyer et qui va vous donner des conseils pour passer vraiment à un niveau supérieur dans la façon de bâtir les relations avec les gens. Ça s'appelle la vente relationnelle. Si vous voulez le recevoir, envoyez-moi un message au 514-434-9423 avec la mention « vente relationnelle » dans le message. Maintenant, faites que tout le monde tombe amoureux de vous et bonne vente!